C'est un bus scolaire solaire. Utilisé sur le campus de l'Université Earth au Costa Rica, ce bus parcourt jusqu'à 64 km en une journée pour transporter les étudiants de leur résidence ou d'une salle de classe théorique jusqu'au champ d'application pratique. Ce bus est quasi indépendant de tout apport d'énergie extérieure grâce à 4 panneaux solaires installés sur le toit qui alimentent en continu les batteries placées sous les banquettes. Grâce à une lampe qui reste toujours allumée dans son garage, les batteries ne cessent jamais de se recharger, augmentant ainsi considérablement leur durée de vie. Le bus n'est branché au secteur, alimenté par des sources renouvelables, rappelons-le, pour recharger ses batteries que s'il pleut en continu pendant une semaine. Le professeur Coleman, du Centre d'investigation et de développement des énergies renouvelables, pense avoir trouvé la solution à l'un des plus grands problèmes environnementaux actuels, la pollution liée aux véhicules. Même si toutes les régions du monde n'ont pas autant de soleil que le Costa Rica, beaucoup de pays pourraient opérer ce changement pour réduire les émissions de carbone et de particules fines dans l'atmosphère.